dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais vous remercier du fond du cœur pour avoir liké, commenté ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez été super nombreux à apprécier cette vidéo là. Je compte sur vous pour vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant juste sous le bouton en dessous. S'abonner, c'est gratuit, c'est super rapide. Voilà, dites-moi comment ça va, est-ce que tu vas bien. Voilà, dites-moi en commentaire si ça va aujourd'hui. Demain matin à 6h, je prends l'avion pour aller à Lyon. Enfin, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis actuellement à Bordeaux. Là, je vais aller à Lyon pour aller voir mon petit frère qui est là-bas, qui fait ses études d'ingénieur. Là, je filme la vidéo. On est exactement dimanche. C'est le soir du match de foot PSG contre Bayern. Voilà, c'est ça. PSG Bayern, voilà, je ne me connais pas trop en foot, mais je sais que ce soir c'est l'effervescence un peu partout. Je suis allé chercher un burger. C'était juste à côté de l'hôtel avec une bouteille d'eau. Évidemment. Moi je vais regarder le match de foot directement à la télé. Au moins comme ça on est tranquille, en dégustant un magnifique burger avec des frites. C'est juste quand même classe, regardez la boîte. Et les frites elles allaient super bonnes. Vous en voulez? Allez prenez, de toute façon on passe la soirée ensemble. C'est quand même bon. En plus c'est pas trop gras. Je vais vous montrer le burger. Voilà les amis, cette vidéo là c'est une vidéo entre nous, on se pose, on parle, on mange. Oh mon dieu les amis, regardez ça. Attends mais c'est pas possible, c'est pas ce que j'ai commandé. Regardez-moi ça les amis, un truc de malade. On a du hachis bien cuit là, avec ça en dessous, je sais pas c'est quoi le truc croustillant. On va tester ensemble ce burger là. Ça fait vraiment du bien de vous parler parce que dans le vlog précédent je vous ai pas beaucoup parlé. C'était juste pour vous montrer en fait des images de Bordeaux, magnifique ville d'ailleurs. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, Tedijonté. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la famille et merci énormément pour tout votre soutien sous mes publications de mes photos. Et puis on va commencer à manger. Allez, vous avez vu ça? Regardez-moi ça. Bon, allez, c'est parti. C'est tellement énorme que j'arrive pas à tout piquer dans ma bouche. Je sais pas les amis si vous aussi vous mangez le burger à l'envers. Ah, c'est trop bon. En fait ça c'est un truc avec des pommes de terre dedans. Une galette de pommes de terre. Il y a du fromage, il y a une sauce au curry. C'est trop excellent ce truc. Je le garde en haut parce qu'à la télé j'ai coupé le son, comme ça on peut mieux s'entendre. Enfin on peut mieux s'écouter. On peut mieux... Enfin bref, on peut mieux se parler. Enfin ouais, vous avez compris, on peut mieux se parler. Donc voilà les amis, j'ai fini mon burger. Ensuite, ben là il est le soir, donc du coup je vais regarder le match de foot à la télé. Je vais dormir, je vais me lever tôt demain à 4h du matin je pense. Parce qu'après je prends ma valise, je vais à l'aéroport. Et en plus je vais à pied, donc du coup je dois trimballer ma valise. Je pense c'est à peu près 20 minutes de marche. De toute façon on se retrouve demain les amis pour une magnifique aventure, un magnifique vlog, je l'espère. Que j'aurai pas trop de changements avec les avions, avec la maladie et tout. On sait jamais, il y a des avions qui sont annulés. Donc, ah oui, demain je prends Air France pour aller jusqu'à Lyon. Donc je vous emmène avec moi et puis j'ai hâte de vous présenter mon petit frère. Mais je pense que vous le connaissez déjà, mais vous savez, ça fait hyper longtemps que je ne l'avais pas vu. Un peu plus d'un an, je pense. Donc du coup, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Je vous fais de très gros bisous, les amis. On se retrouve demain. Et, mais pour vous, c'est en quelques secondes. Allez, ciao.
Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. J'ai pas beaucoup dormi ce soir, j'ai à peine dormi 3 heures parce que j'ai dû me lever tôt. Vous pouvez voir, il fait encore nuit les amis, il fait un peu froid là. Donc là je suis en train de me diriger à l'hôtel, il faut à peu près 15-20 minutes avec ma valise juste là. Donc ça va, on est à l'heure. Allez. Alors voilà les amis, on vient tout juste d'arriver à l'aéroport. Enfin ça fait une demi-heure que je suis là. J'ai été prendre ma carte d'embarquement, j'ai été déposer mon bagage. Là j'ai passé les contrôles et tout. Donc là je suis en train d'attendre mon avion. Alors mon avion il est à 6h, porte B23, voilà, direction Lyon. C'est parti les amis. Wouhou. C'est parti les amis, on va prendre l'avion. Ah, il y a EasyJet à côté et Air France à côté, d'accord. Donc comme les accessoires et les bagages de cette forme doivent être placés sur le bureau de la presse dégagée. Comme les attentes de fumée, la sienne. Les amis, je viens tout juste de déposer ma valise pour garder la journée. On est à Lyon-Pardieu. Je savais pas que ça existait des trucs comme ça. Alors là les amis, je vais aller au centre commercial de la Pardieu qui se situe juste en face de la gare parce que je vais attendre mon petit frère qui lui ben, va arriver vers les 9h30 à peu près dans une heure, une demi-heure. Wow, ça a complètement changé ici, c'est un truc de fou. Oh regardez ça, vous avez vu ça? Ah, ça me fait super plaisir de revenir à Lyon. Wow. C'est magique. Au top, je sais pas s'il faut... Ouais, faut garder le masque, je pense. Parce que là, il y a du monde quand même. Un petit cappuccino, un petit croissant. En attendant mon petit frère qui va arriver très très bientôt. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir. Santé. Mais qui wash? Ça va? Voilà mon frère. Oui, en effet. Bah, j'ai été boire un café là-bas. Wow, une brioche dorée. Un café. Ouais. Et après j'ai déposé ma valise. Ah mais du coup ça te dérange pas? Ouais, c'est la grosse, hein. Ça pèse 15 kilos. On est où Tsunin? La Carrefour de Lyon-Pardieu. Ah ouais, on est à Lyon. C'est top. Ça a mis en valeur ta beauté. Merci, merci frère. When we collide, no one walks away easy. I never thought. Merci. Est-ce que je peux avoir une deuxième paille s'il te plaît? Ah.
on est en train de boire un petit Starbucks. Là, c'est un frappuccino au café. C'est bon, mais c'est froid. En fait, là, on attend le TER pour aller à Ambérieu, c'est ça? Alors, en fait, mon frère, il habite à Ambérieu-en-Bugey. On doit prendre le TER. Et une fois arrivé à Ambérieu, il faut prendre le bus. On va découvrir chez lui. Compostage des billets. Alors où on va traîner? Du coup là on va au village de Loges, Saint-Jean-le-Vieux. D'accord, et ça prend combien de temps pour y aller? En voiture, je pense que ça prend à peu près 15 minutes. D'accord, 15 minutes, ouais, c'est à peu près à 10 km d'ici. Ouais, c'est ça. Là vous voyez bien, on est dans un village. Et dans un village c'est calme. Oui. Du coup c'est bon, là on a fait le tour du village. Ah ça y est? Ouais. On a fait le tour du village. C'est que cette ville. Ouais. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Alors on vient d'arriver et il y a déjà mon petit frère qui est en train de nous cuisiner à manger. Ah bah oui, là l'heure du repas est dépassée, c'est pas bien. Il est quelle heure? 14h. Ah ouais, et en plus j'ai vu qu'on faisait les œufs, pas avec des œufs en boîte, non, avec des œufs de poule. Ouais. Enfin genre des œufs de poule... Qui étaient pendus. Ouais, des œufs de poule qui ont été pendus. Enfin, je veux dire que c'est des vrais œufs quoi. Des œufs naturels. Et du coup, il va faire avec des pommes de terre, de la semoule, et je pense qu'on va se régaler. On a le chef qui est juste là. Je pense que je vais vous faire un room tour tout de suite. Allez, c'est parti. Le jardin, on va faire après parce qu'en fait, il y a un énorme jardin. Donc, ce qui est incroyable. Alors, je vais tourner la caméra. Tout d'abord, les amis, voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo, on a une magnifique chambre juste ici avec un bureau. Ici, on a la salle de bain. Ça va faire du bruit parce qu'on est en train de laver le linge. Donc voilà, lave-linge là. On a une douche, un évier, les toilettes, un grand dressing, un étendoir, un sac. Ensuite ici on a la cuisine. Ici on a un énorme salon avec un lit. Là on a la guitare de mon frère, la guitare. Ici on a la salle à manger où il y a en même temps son bureau. Et à l'extérieur il y a un magnifique jardin qu'on va voir tout à l'heure. Mais c'est juste incroyable. Bon appétit. Bon appétit. Voilà mon frère. On s'est posé à l'extérieur. Ça, c'est un péché. Un péché ou péché? Un péché. Un péché. Et on peut manger? Je sais pas s'il sort. Okay. Et ça, c'est naturel, quoi. Il y a plein de pêchiers, de pêche. Là, toc toc. C'est comme au top. Hop. Ça, c'est du maïs, non? Non, ce sont des lys. Ça, c'est le drap. Oui. Ah. Ils sont où les choux de Bruxelles? C'est ceux-là. Ah, c'est pas les petits trucs là, les ronds? Ouais, du coup, ça donne sur la tige. D'accord. Voilà. Mais là, je pense pas qu'ils vont donner, il y a les lentilles dessus. Ah, il y a des tomates là? Oui, ensuite il y a les tomates, tomates cerises. Et ça, c'est un arrosoir? Ouais. Tu arroses avec ça? Yep. Ah ouais. Ça m'occupe un peu. Fenouil, poireaux. Poireaux. Des oignons. Des choux, des carottes. Ah, des carottes ou ça? Ou le petit feuillage qui entoure les choux. D'accord. Aubergines, poivrons. Ah oui, il y a des aubergines là. Et ça par terre, c'est quoi? Ça, des pommes. Ah, des pommes. Ils viennent là et là. Ce sont des pommes d'août. Du coup, là, c'est en fin août. Du coup, il n'y a plus rien. Et ça, c'est des tomates? Ouais. Et toi, tu manges les tomates du jardin? Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est du persil. Ça, c'est des poires, les amis. Et là, tu t'entraînes là? Ouais. Tu fais ton nunchaku aussi? Ouais. Ah. Ouais, la vidéo qu'on a vue sur Instagram. C'est ça. C'était là. Ici. L'herbe était un peu plus verte et plus longue. Là, Il fait chaud aussi, hein? Ouais. On est un peu plus proche de la montagne là. Il y a quand même 1000 mètres d'altitude. Ah ouais. Par rapport à la mer. Un pommier. Un cerisier. Et le poulailler ici. Ah, ils ont pas. Ok. Mais c'est eux qui t'ont attaqué, non? Ouais, on a vu une dans tes stories.
Ça fait peur, hein. Ils sont gentils. Ils sont, énormes. Ils vont pas sortir. Non. Attends, je vais rentrer avec toi. Regarde comme ils ont faim. Comment tu sais, ils ont faim? Ben, ils se sont recoupés. Ils se sont, mis en main, devant la porte. Et leur gamin, il... Ah, il faut faire manuellement? Ouais. Ça fait leur dose de la vie. L'homme de la nature. Tu les as sauvés la vie. Elles sont énormes. Et elles pondent où leurs œufs? Du coup, leurs œufs. Ouais, leurs œufs. Et comment vous allez chercher? Par la petite porte. Tu entres dedans? C'est ça. Pour de vrai? Non. Ah. Quand même. Hop là. Wow. Elle est en train de couvrir. Ah, ça, celle du haut là? Ouais, c'est leur nid. Et le soir, ils viennent se percher dessus. Il fait trop chaud. En direct, un fermier. Du coup, là, on a un kiwi. Kiwi? Ouais. Et là, on a un petit. On a du raisin. Ah, des vignes. Ça fait une grande propriété bien diversifiée. C'est ça. Ah, non, c'est intéressant. Hein. Tu peux parler aux poulets. Ils sont contents de te voir. Ouais. Lorsque je viens, ils viennent toujours vers moi. C'est comestible? Ouais. Mais là, je doute du goût. Non, on verra. Je goûte avant de te faire goûter quand même. Ah bah oui. Elles sont bonnes. Un peu moins sucrées qu'en printemps. Mais sinon, ouais. Ouais, ça a l'air juteux en tout cas. Hein. Allez, à mon tour. Tu nettoies? Pas manger ça à maman, elle va pas aimer. Maman, t'inquiète pas, on va bien nettoyer cette Sonine qui nettoie. Alors, on va tester les prunes vertes, c'est ça? Ouais. Mmh. C'est vachement bon. Il a dit que c'est un peu. Mmh. Selfie le poulet. Je crois qu'elle va devenir mon amie, celle-là. Elle a pas peur de, la caméra. Du coup, je vais donc présenter la société Insectosphère. Insectosphère est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de produits de biocontrôle. On peut, à l'intérieur de ce contexte. Ok, du coup, ouais. Tu dis pour la Nova, on fera c'est le HSD de Tokyo, je crois. Oui. Voilà, et puis pour le, Crustal Wally, c'est le Rotel de Wilcoxon, de mémoire. Oui. Un bébé. Ouais. Mais c'est pas, ça sera plus. Je te dis, ça sera beaucoup plus simple d'avoir un truc comme ça. Alors, les amis, je vous reprends que maintenant. Comme vous avez pu le voir, on a pu avancer sur le rapport, non, sur l'oral de mon frère. Il va passer en fait vendredi, donc en fin de semaine et tout. Ça va, il a bien travaillé. Il y a encore des choses à modifier et tout et tout. Et surtout que son maître de stage, enfin son tuteur, il s'occupe bien de Tsunin. Donc c'est. D'ailleurs, Vincent, si tu regardes cette vidéo-là, on te fait de gros bisous. Et puis là, on est en train de préparer à manger. Là, c'est encore le chef Tsunin qui va préparer à manger. C'est quoi ça, hein? C'est la sauce tomate. Mais t'es devenu un vrai chef cuistot, hein? Ah bah oui. Sauce tomate. Mais ça, je t'ai jamais appris cette recette-là. C'est pas pour. On mange juste des oignons. Voilà les amis, on va manger, enfin du coup on va préparer à manger. Après manger, on va retravailler sur son rapport juste ici. Je vais également monter cette vidéo là que vous regardez actuellement. Et puis voilà, je vais finir la vidéo maintenant. Ah, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de me laisser un petit commentaire aussi si vous avez aimé, ben, voir mon petit frère. Également j'ai fait un TikTok, sur mon TikTok, un genre de vlog où ben, je fais tout le voyage de Bordeaux jusqu'à Lyon, jusqu'à... voir mon petit frère, donc n'hésitez pas à aller voir mon TikTok Tank.teddy. Et sur ce, les amis, il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Nanaï, à bientôt. Sur ce, les amis, il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Maruru, Nana, et à bientôt. Voilà, mon petit frère a préparé mon lit. Il est super confortable en tout cas.